À toutes et à tous amis, c'est Palidomil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de jeu. Et aujourd'hui, on part à la découverte de Bulwark Faulkner Chronicles. Donc, c'est un jeu de construction de ville en monde ouvert axé sur la liberté et l'expression. Il permet au joueur de créer des tours, des forteresses et des villes tentaculaires qui deviennent des centres d'échange et des points de ralliement pour les Conquête. Donc le jeu est sorti le 26 mars 2024. Il y a un total d'évaluation très positive. Hein. Les évaluations sont de 589. C'est pas énorme. Il a une version démo. Si vous voulez, il y a une démo. Le jeu coûte à peu près 20 €. C'est un jeu en solo sur lequel vous pouvez jouer avec la manette. Il est disponible en français, en anglais et dans plein d'autres langues. Il touche les genres occasionnels, indépendance, simulation et stratégie. Voilà, donc vous avez le lien Steam en description. Et donc nous, on va se lancer à la découverte du jeu. C'est parti, donc nous allons commencer. Et nous allons nous lancer bah, du coup sur le tutoriel. A few words of advice. Building is mostly free, but it requires being in range of a resource extractor, and building up around an extractor improves its range. The answer to many questions in the game is to build. Building up your population from a faction will, for instance, unlock more captains and commanders in the soul tree. Always keep building. Ok, donc c'est parti, on va se lancer sur le tutoriel. Donc, par mettre du scénario, les maisons libres prônent la prospérité, la stabilité et la croissance. Elles veulent reconstruire et n'aspirent qu'à la paix. Donc, le penchant de la faction, c'est maisons libres. Le lieu de départ, un nouvel abri. Extraction de départ, un de chaque. Donc, on a des extracteurs de départ, donc ça doit être du des extracteurs de ressources, hein, pour avoir des ressources apparemment. La portée de l'extracteur est élevée, les rencontres hostiles, les raids et les épuisements de ressources sont activés. Ok, commencez, c'est parti. Our people were wrecked during the War of the Tree. Dunkel, Castellus, Morbridge, and even Port Remit. Nothing remained of our prosperous free houses after decades of attrition. We took what we had and left, in order to resettle in peace, away from the warlords and fiefdoms that remain. We will succeed, because on our backs the past was built, and from our hands the future will be wrought. Très bien. Pareil, les ressources sont bientôt disponibles. Voler avec votre vaisseau d'inspection, développer une tour commandant et explorer le monde ouvert. Ok. Ah, you're finally here. We've already built a few essential buildings. I'll assist you in connecting things up and getting the settlement up and running. Ok. While you're on the ground, we will focus on a single building at a time. This will allow you to build outward in a variety of ways and upwards later on. D'accord. Alors, clic droit pour faire pivoter la caméra. XZ pour zoomer, dézoomer. Alors, X, ça me fait avancer. Ah ouais, non. C'est double. Ok. W pour dézoomer. X pour zoomer. Ok, donc j'ai ZQSD pour me déplacer. W, c'est pour dézoomer. X, c'est pour zoomer. Wow. Ok. Et clic droit, c'est pour faire pivoter ma caméra. Ok. Connect this outpost to the woodmill. Which is located down in the shallow water beside the sea tree fungi. Without wood, we cannot build. Ok, reliez votre avant-poste à la scierie. Utilisez souris pour déplacer votre curseur. Déplacez le curseur vers la scierie dans les eaux plus profondes jusqu'à ce qu'elle se fixe, puis appuyez sur espace pour construire une passerelle de liaison. Ok. Ok, bah. Good work. Okay. The woodmill is now delivering wood further than before, so we can move on. Across from the woodmill, we also built a stone quarry. Let's connect that to our settlement. Construire une passerelle de liaison vers la carrière de pierre déjà établie
sur les rochers au-delà de la Syrie. Select your outpost so we can start expanding this further. Alors, sélectionnez votre avant-poste. Alors, clic gauche, sélectionnez votre avant-poste. Clic gauche, sélectionne le bâtiment le plus proche de votre bâtiment. Sélectionne le bâtiment le plus proche de votre curseur. Le bâtiment le plus proche est toujours affixé avec un cercle orange qui attend. Ok. Outposts can be upgraded as well. Let's use the stone to upgrade the outpost to its second stage. Deuxième palier. Déplacez le curseur pour sélectionner un poste et relier la ligne de construction. Et retirer la ligne de construction. Appuyez sur espace pour l'améliorer. We can add foundations to basic towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing on them, increasing the worker output. Ok. Alors, ajoutez une fondation à votre avant-poste. Ok. Étendez doucement la ligne de construction jusqu'à voir apparaître des icônes carrées. Appuyez sur espace lorsqu'un carré s'affiche pour construire une fondation. Doucement la ligne de construction jusqu'à voir apparaître un carré. Appuyez espace lorsqu'un carré s'affiche pour construire une fondation. Ah, ah, ah. Ici. Ok. The worker output of our outpost can be improved further by connecting more towers and walkways to it. Construisez d'autres parcelles et tours de liaison vers votre avant-poste. Examinez le flux d'ouvriers de votre avant-poste avec contrôle. Contrôle celui-là. Watch. Population 128. Donc c'est ici. Ok. Alors, alignement, je sais pas ce que c'est, on a la population. Ok. J'ai d'autres parcelles et tours de liaison vers avant-poste. Examinez le flux d'ouvriers, notre avant-poste avec contrôle. Ok. All towers allow for foundations, wood, stone, and later, command towers. Command towers also allow for battlements. Any production facility will show its production power. The more resources it generates, the further it can bring those resources across your settlement, as shown in this mode. Select your outpost. So we can start expanding it further. The worker output of our outpost can be improved further by connecting more towers and walkways to it. Notre parcelle est tour de liaison vers votre avant-poste. Good. Vaisseau d'inspection bientôt disponible. Développer une tour de commandant. Explorer le monde ouvert. Ok. We have done well. It is time we started being more ambitious. Take to the skies and seek out iron ore. Pardon. Tape pour passer du mode terre à mode aérien et vice versa. Clic gauche pour diriger votre vaisseau d'inspection vers le curseur.
M pour voir la carte du monde et les ressources à proximité. Alors attends. Ok. Your surveyor allows you to build resource extractors, harbors, and outposts on other islands. It will also help to get you out of trouble, which is never far on the Ursi. Donc. Alors, trouver une ressource de fer vers l'une des petites îles à proximité. Ok, utilisez clic gauche pour diriger votre vaisseau d'inspection vers le curseur. Utilisez espace pour construire dans la zone de ressources. M pour voir la carte du monde des ressources. Ok. Je fais comment pour... trouver une ressource de fer. Je peux même pas me vire le curseur là du coup. Ah, il y a des îles. Ok, c'est assez expérimental comme mode de jeu. Ah, des cristaux là, c'est du fer. Your surveyor can build a mine on this spot. Workers will mine for ore, and the metallurgical industry will be built up around it. Iron will allow our most advanced towers and buildings. We now have access to iron. Okay. It needs to be transported across the water. Let us build a trade route for ships that can transport iron and other resources back and forth. On va faire une passerelle au milieu de la mer. C'est un port pour transporter le fer. Les ports doivent être construits en eau profonde, près d'un bâtiment relié au littoral. Lorsque votre curseur devient une ancre, le capitaine adapté doit ensuite être affecté. J'atterris là. This resource extractor is missing access to workers. We now have iron, but it's not making its way to our settlement. Build a pair of harbors with your surveyor to transport iron across the sea. Utilisez votre curseur, devient une encre. Alors, le port doit être construit en eau profonde, ouais, près d'un bâtiment relié au littoral. Ouais. Passer au bâtiment. Construire. Ah, construction du port. Donc, c'est espace, ok. Several captains are now available. Each captain holds specific resources. For this trade route, iron is required, but wood is also recommended to expand the mine later. D'accord. My ship carries wood. My ship only carries wood and workers. Bois et ouvrier, pierre et ouvrier.
Que du bois. Bois ouvrier. Pierre et ouvrier. Je ne transporte que le fer et les ouvriers nécessaires à notre industrie. Que du bois et des ouvriers. Bon, on va prendre lui déjà parce qu'on en a besoin. Ensuite ici, on va mettre lui parce qu'il transporte du fer et des ouvriers. Et là, lui il fait que du... Voilà, très bien. Monsieur, t'inquiète pas, ça va le faire. Harbors always need to be built as pairs. As soon as you build two, a trade route will connect them. Captains will carry your resources over vast distances. Alors, construisez un port à destination dans les eaux les plus profondes près de votre avant-poste. D'accord. Alors... Avant-poste, une route commerciale s'établira automatiquement entre les deux ports. La flèche dorée sur votre boussole indique la direction de votre avant-poste. Ok. Et ben... Est-ce que je peux le faire... On va le faire ici. Ici, ça me paraît bien. Là, construire la fin du port. Ici. Select your outpost so we can start expanding it further. With iron, we can start building defensive structures such as imposing command towers. But before doing so, we need to upgrade our outpost into a proper citadel. D'accord, et comment je fais? Et pardon. Mon avant-poste en citadelle. Ok. Comment je fais? Ok. Let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. Améliorer la tour de base en une. Améliorer une tour de base en une tour de pierre plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne une tour de commandant. Appuyez sur espace lorsqu'une tour est sélectionnée pour l'améliorer. Améliorez-la d'abord en pierre, puis en tour de pierre plus élevée. Et une tour de commandant. Mighty command towers have the potential to reach high into the sky. Their height can be increased by adding more foundations, as well as having better access to workers. Build this tower as high as possible. Ça va faire jusqu'à quel étage? Balconies are built from high floors. The more expansive your tower, the more powerful your commanders will become if they are assigned here. Trois balcons. R et F ont monté aux étages depuis lesquels vous souhaitez construire. Change the floor you are building from. Lower floors build foundations, while higher floors build balconies and sky bridges.
R. Ah non. Alors, tac. This command tower is looking stout. We already have an experienced Warbird commander among our retinue. Let's assign them to this command tower. Clic gauche lorsque le tour de commandant est sélectionné et la ligne de construction retirée pour les ouvriers d'une ligne de commandant. You will find no finer state. Ah. The heyday of the War of the Tree. In service to our people, my retinue of Falconeers is eager to settle in and get their warbirds airborne. Do not delay. My warbird, this tower and its commander now stand watch over our settlement. Their forces will deploy, joining our battle group when the surveyor is near the command tower. Okay. Our settlement is established. We have access to resources, a citadel, and command towers. It's time to explore the surrounding area, finding more people that will help us thrive. These are desperate times, so we may need to accept unlikely neighbors. But be wary of who you invite in. If they bring their old allegiances, conflict is sure to follow. Now it's all up to you. Head out and explore the Ursea. Rebuild our society as you see fit. Protect yourself and our citizens well. Good luck. New forces are ready nearby. Fly up to their command tower for them to join our battle group. Any production facility that has access to workers will develop industry around it. Settlers will come in and establish their businesses close to the resource. Okay. And in turn, improve the output of the facility itself. Est-ce que c'est... Je pense qu'on va mettre ici une tour. There is no stone available for this upgrade. Ah, on n'a pas encore de pierre disponible pour l'amélioration. There is no stone available for this upgrade. Oh, je peux améliorer ça. Hein. Ok, on devait partir voir des gens, je crois. Donc on y va. On devait partir à, en explo, donc on va en explo par là-bas peut-être. Il nous a été conseillé de trouver des gens, donc on va voir. Buildings on the horizon. Là-bas.
Bonjour. We, the speakers of the Sacred Steps, have seen better days. But I'm proud of what my people have accomplished to end the war. We brought those together to speak that needed to be heard, and we are now available to help ease your factional tensions. We can get people back to work through the sacred power of prayer and speech. On va essayer de marché sacré alors. You will reconsider our services in the future. We will always aim to act as diplomats and servants of the people. We, the speakers of the Sacred Steps, have seen better days, but I'm proud of what my people have accomplished to end the war. We brought those together to speak that needed to be heard, and we are now available to help ease your factional tensions. Okay. This is a unique building. Dismantle it so it can be salvaged. Your surveyor can drop it anywhere once you do. Ok, on y va. Hop là. Wouhou. Sous-marin volant. Ok. Je suis rentré. Alors. Ok. Et je fais comment pour construire le bâtiment unique, moi ? Que c'est bien beau, mais il y a un problème avec la pierre là. This resource extractor is missing access to workers. Bah alors. Pourquoi il n'y a pas d'ouvriers? On va améliorer ça, non? Oh. Il n'y a pas d'ouvrier. No available commanders on your roster. Commanders and their valuable retinue can be found across the Ursi. This resource extractor is missing access to workers. Non, ça c'est qu'il a pas accès aux ouvriers. Mais alors? Resource extractors cannot be upgraded. Encourage workers to settle around them to gain more output. Et comment je fais pour que la population aille là-bas? Is missing access to workers. Parce que là, on a des ouvriers, mais Any production facility will show its production power. The more resources it generates, the further it can bring those resources across your settlement. Vous êtes en train de me dire que là-bas, là, j'ai pas d'ouvrier, mais pourquoi j'ai pas d'ouvrier ici? Dans cette tour-là, j'ai aucun ouvrier non plus. Et là, j'ai plein d'ouvriers.
que j'ai fait? Là, ok. Je souhaite aller jusqu'à là-bas avec mes ouvriers. Et bizarrement, ça ne veut pas. Là, j'ai des ouvriers. Il faut aller jusqu'à là-bas. J'ai toujours pas d'ouvriers. Comment je fais pour envoyer des ouvriers de ici à là-bas? Only harbors could be built in the deep by your surveyor. Bah alors. C'est fou de pas avoir d'ouvrier. Je sais pas comment on fait. C'est hyper bizarre. Bon, je suis bloqué, je comprends plus rien. En fait, j'essaye de comprendre comment ma maison, elle envoie des ouvriers ici. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais cette tour-là n'envoie pas d'ouvriers ici. Ce qui fait que je peux pas avoir d'ouvriers ici non plus. Parce que là, j'ai aucun ouvrier. Du coup, là, des maisons libres dans ce bâtiment, il y en a beaucoup. Enfin, ce qui m'inquiète, c'est que, il n'y a pas de... Il y a des maisons libres ici, mais du coup, dans le bâtiment qui est là, il y a des... Enfin, là, il y a des ouvriers aussi, enfin, je comprends pas. Là, on a aussi une tour de commandant, mais avec... je sais pas. Je sais plus comment je fais pour avoir des gens. Du coup, j'ai pas de pierre. Parce qu'il y a personne qui produit de la pierre. Je fais comment? Enfin, je fais une tour là, du coup. Il y a des ouvriers qui passent de la Syrie et qui vont jusqu'à la carrière de pierre. Ok, ok, c'est bizarre, mais ça passe. Ok, bon, bah, on va améliorer cette tour. Hein.
J'ai pas compris pourquoi ça passait pas d'une. En fait, d'une tour à l'autre, là, il n'y a pas de passage. Et de cette tour là à cette tour là, il y a. Resource extractors cannot be upgraded. Encourage workers to settle around them to gain more output. En fait, il y a les gens ben, ne passent pas entre les deux tours de commandement. Et ça, c'est. Je comprends pas. Mais bon. Ouais, bah c'est assez bizarre, il y a des trucs que je comprends pas trop encore, le jeu est assez... Là, regardez, il y a des violets qui flagellent. Ici, il y a un... De la Syrie à ma tour, là, il y a du fer là qui flagelle, je sais pas pourquoi. Et pareil, de la tour ici à ma carrière de pierre, il y a du violet, je sais pas, c'est du... C'est je sais pas pourquoi les traits violets flagellent de ma carrière de pierre à mon avant-poste et de mon avant-poste à mon à ma Syrie, mais bref, c'est assez je pense que c'est trop incompréhensible pour mon cerveau. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais bon, si vous avez compris, vous, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je comprends plus rien. Bref, sur ce les amis, si le jeu vous a plu, bah je vous rappelle qu'il est en... Ouais, bah, voilà, là-bas il y a des... Là-bas c'est pareil, là il y a des trucs de... C'est la pierre là qui flagelle, je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que c'est en arrivage. Je sais pas, c'est assez bizarre. Bref, sur ce les amis, si cette découverte de jeu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper aucune des nouvelles découvertes de jeu. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce bleu, le commentaire et à partager la vidéo. Personnellement, j'ai pas trop compris le jeu. Je sais qu'on se balade d'île en île et qu'il y a eu des guerres avant et qu'on essaye de reconstruire, voilà, de reconstruire des îles et de nous étendre. Hein, sur plusieurs îles, de faire du commerce entre nos différentes îles. Bref, c'est assez compliqué à comprendre et à prendre en main. J'ai pas trop compris ce que je faisais. Mais bon, le jeu a l'air intéressant et trop, en fait, développé. Pour moi, voilà, je vous rappelle que le jeu est disponible, la démo du jeu est disponible sur Steam. Vous pouvez aussi avoir le jeu pour 20€. De toute façon, le lien du jeu est en description. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Paladin 2000, portez-vous bien et à très vite tout le monde.